L'impossible est possible. Oh, merci Jésus. Il est 6 heures. Bonjour.
Bonjour à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous attendons les retardataires. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu te réveilles. Que Dieu te bénisse. Nous venons posséder la porte de cette journée et nous glorifions le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. La 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 la. Beraza wa ines prameras kradei filia nau eloka. Bazorami wa inas kravo belas peradi wa ines mora ina udali garos. Bénissons le Seigneur pour la vie, l'être et le mouvement qu'il nous donne en cette nouvelle journée. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes comptés parmi les vivants. Disons merci à Dieu. D'autres nous ont dévancés vers la félicité suprême. Et un jour, vous et moi, nous emprunterons ce chemin que les anciens dans les Écritures ont appelé le chemin de toute la terre. Prions au nom souverain de Jésus. Seigneur, le souffle de vie que nous avons est un don de Dieu. C'est un prêt de ta part. Seigneur, c'est toi qui nous as accordé ce don merveilleux. Nous te bénissons d'être encore parmi ceux qui sont vivants. Que ton nom soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit exalté au plus haut des cieux. Seigneur, prends contrôle et accorde-nous la grâce d'utiliser à bonne échéance ce souffle que tu nous as donné, de ne point vivre vainement, mais de vivre pour ta gloire, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Si tu as dit cette prière avec foi, le Seigneur te bénisse, et ce don ne sera pas en vain. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, je ne voudrais pas vivre pour rien. Que ma vie ne soit point un gaspillage de la part de Dieu. Que Dieu ne regrette point de m'avoir créé parmi les humains. Mais je veux, Seigneur, que ma vie ait un sens. Je veux que ma vie marque ma génération. Je veux marquer mon existence. Seigneur, je veux qu'après ma mort, mes œuvres parlent en ma faveur. Je veux participer à faire avancer l'humanité. Je ne veux pas vivre pour rien. Et je ne veux pas mourir pour rien. Je veux mourir en défendant une cause juste. Prions que nos vies ne soient point un gaspillage, mais que la rentabilité de nos vies soit efficace. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Seigneur, Billa Udali Baros, Maliana ou Elokifita Udali Morazen, Samirat wa in Aframi Kalfarazawa, Anas Pramidali Filika. Nous prions au nom de Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs et moi. Seigneur, que nos vies ne soient point vaines, que nos vies ne soient point un gaspillage, mais que nos vies puisse accomplir le but pour lequel cette vie existe, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'en supplions, donne-nous d'accomplir de grandes choses pendant les jours de notre pèlerinage sur la terre des vivants. Nous ne voulons pas vivre pour rien, nous ne voulons pas être un regret au cœur de Dieu, nous ne voulons pas être le sujet de probe de notre famille, nous ne voulons pas être, Seigneur, un problème au problème existant déjà dans le monde et dans nos familles, nous voulons être une solution. Voulons être le sel de la terre. Ta parole dit, « Umeis est tes alas tes ges. » Vous êtes le sel de la terre. Seigneur, faites de nous le sel de la terre, dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, crois, parce que Dieu vient de mettre la semence de l'efficacité dans ta vie. La semence de l'efficacité. Ta vie devient efficace. Ta vie devient rentable dans tous les domaines. Ton existence ne sera pas un gaspillage créationnel. Mais Dieu gagnera de t'avoir créé. Il ne regrettera point d'avoir créé une femme comme toi, d'avoir créé un homme comme toi. Bénissons le Seigneur ensemble parce qu'à partir d'aujourd'hui, la rentabilité, la semence de la rentabilité vient de prendre possession de nos vies. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons faire notre sujet de prière. Le Seigneur, dans le testament qu'il nous a laissé, nous en tant que ses héritiers, a dit « Umeis este tophos ton cosmo, vous êtes la lumière du monde ». Prions que Dieu fasse de nous la lumière, que chacun demande à Dieu de faire de lui la lumière, d'abord commençant par ta famille. Deviens la lumière de ta famille.
Ne sois pas les ténèbres dans les ténèbres familiales, mais deviens la lumière de Dieu, la lumière dont ta famille a besoin pour sortir des ténèbres, pour voir le chemin que les ténèbres sataniques avaient caché devant chaque membre de ta famille, en sorte que lorsque tu regardes à ta famille, en réalité, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est les blessures, les déceptions et les contusions. Demande que Dieu fasse de toi la lumière de ta famille selon l'héritage que Dieu nous a laissé en disant « Umeis esteto fos ton cosmo » « Vous êtes la lumière du monde ». Nous prions au nom souverain de Jésus-Christ. « Billa inna udalas mansaika wa idias mansharifa liberosa » Seigneur, tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Faites de nous la lumière du monde, de ce monde ténébreux. Fais de nous la lumière dans nos familles. Seigneur, donne-nous la grâce de commencer par illuminer nos propres familles, d'illuminer nos familles, de sortir les membres de nos familles tout entières, de l'esclavage aux ténèbres, Seigneur, de l'esclavage à la malédiction, à la ruine, à l'échec, aux blessures de la vie, aux accidents de la vie, aux pleurs constants dans nos familles. Seigneur, nous prions au nom souverain de Jésus. Que la grâce de devenir des lumières, de nous faire briller dans notre famille, dans nos familles, nous soit accordée. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui est éteinte, qui est une lumière éteinte, Seigneur, nous prions que ta lumière s'allume en cette personne, qu'elle soit embrasée et que cette lumière éclaire les membres de nos familles qui n'ont pas connu la lumière de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as fait cette prière avec foi, ça veut dire que la lumière de Dieu vient de s'allumer en toi. Jésus-Christ a dit, si la lumière qui envoie ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Voyez donc, il dit que si la lumière de Dieu en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres-là? Donc, il faut absolument que la lumière qui est en toi brille. Et c'est pour cela que nous avons prié. Et si tu as prié avec foi, crois que la lumière de Christ a commencé à briller en toi dès le moment où tu as commencé cette prière. Et il en sera ainsi. À partir de maintenant, dans ta famille, la lumière de Christ en toi, la lumière de Dieu en toi brillera pour aider les membres de ta famille qui ne connaissent pas Jésus de sortir des ténèbres. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Alors, rendons grâce à Dieu parce que sa lumière est en nous. Rendons grâce à Dieu parce que nous brillons. Rendons grâce à Dieu parce que nous marquons notre génération. Pas seulement que nous brillons sur le plan local, familial, mais sur le plan national et international. Seigneur, je te bénis parce que je suis la lumière du monde. Oui, je brille dans ma famille, je brille dans ma nation, je brille dans ma génération. Ça signifie, Père, que tout ce que les sorciers avaient pratiqué contre ma vie, contre ma famille, tous les méchants de ma famille qui sont allés faire le pacte dans la sorcellerie pour nous ruiner, nous attacher, Seigneur, ils ont perdu la bataille, ils ont perdu main sur la famille. Tu viens de libérer ma famille, Seigneur, je brille dans cette nation, dans le nom souverain de Jésus. Mon frère brille dans cette nation, ma soeur brille. Dans cette nation, nous brillons tous pour la gloire de Jésus-Christ, le ressuscité. Qu'il en soit ainsi au nom précieux souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Partage la vidéo, s'il te plaît. Partage cette vidéo. C'est le troisième jour de la conférence des hommes et des femmes d'affaires et des travailleurs. Nous voulons amener les gens à travailler, à comprendre l'importance et la place du travail dans la vie du croyant à la lumière des Saintes Écritures. Donc, si vous êtes à Douala, vous n'avez pas assisté à ces conférences, je vous convie et je vous supplie de ne pas manquer. C'est la clôture aujourd'hui. Que chacun écrive son projet, son entreprise, il vient avec cela. Et que chacun puisse écrire, dessiner le genre de maison, décrire le genre de maison qu'il veut construire d'ici l'année prochaine à la même époque. Nous avons aussi dit que chacun écrive la marque de la voiture dans laquelle il veut rouler avant la fin de cette année. Donc nous voulons apporter le règne de Christ dans son église. Christ a un règne qui n'est pas seulement dans le siècle futur, mais dans le siècle présent. Ce règne doit descendre sur l'église et l'église doit régner sur la terre, sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan matériel et sur le plan de la vie éternelle, nous régnons. Donc, il y a un règne que nous devons comprendre, que Jésus-Christ nous a laissé comme héritage. La Bible dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Nous avons persévéré, nous avons accepté les souffrances à cause de Christ, la persécution. À cause de Christ, endurer l'ignominie, la calomnie, les insultes, les moqueries, le sarcasme, la raillerie, la risée. Mais nous n'avons pas insisté sur le règne que Christ a aussi mis à disposition pour son Église. C'est ça le problème, c'est là que nous avons été divisés, sur le règne. Or, le règne fait bel et bien partie de l'héritage des croyants. Moi, je crois en cela, je crois en cet évangile, c'est pour cela que je prêche cet évangile. Je règne dans le ciel, mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle, et sur la terre, l'Église doit régner.
Dieu ne nous a pas appelés pour devenir des esclaves en tant que son église, non. Mais pour régner, et la Bible dit très clairement. Mais il y a un évangile dangereux qui est prêché là dehors, qui subjugue les gens et les omnubile. Et c'est ça la réalité. C'est contre cet évangile-là que je m'insurge. Ces derniers temps, c'est pour vous montrer qu'il y a une voie par excellence que Dieu a ouverte devant chacun d'entre nous. Que Dieu te bénisse. Donc, si tu as Douala, après ne te plains pas que mes affaires ne marchent pas. Dieu a donné du temps. Et il a réquisitionné son serviteur que je suis pour bénir tes affaires, pour bénir tes activités, ton travail. Il n'y a pas de promotion, etc. On ne doit même pas revenir sur ça. Les malédictions dans ta famille qui font que vous travaillez, vous ne jouissez pas du fruit de ton travail, de votre travail. Vous avez l'argent, vous ne faites rien de cet argent. Donc c'est à cause de toutes ces choses-là que le Seigneur m'a retenu à Douala. Et tu restes, tu ne viens pas, c'est ton problème. Bro, c'est ton problème. Ça te regarde, ma soeur. Donc voilà une occasion solennelle comme celle-là. Nous clôturons aujourd'hui et demain, c'est la conférence des bienfaiteurs. Donc nous tous voulons prendre l'engagement d'être fidèles dans le bâtiment, la maison de notre Dieu. Et vous qui me suivez en direct, qui n'êtes pas là, prends cet engagement ce matin. Seigneur, je reviens à mon premier amour et ce jeudi, je vais envoyer ma sémence de bienfaiteurs, participants, quelle que soit la nation où tu me vois. Même nos bienfaiteurs qui sont dans d'autres nations, qui se sont dérobés par rapport à l'engagement qu'ils avaient de servir Dieu. Alors je les invite à revenir à leur premier amour. Reviens à ton premier amour et envoie ta sémence de bienfaiteur dès maintenant. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Ce matin, je veux parler d'une question qui est très urgente pour l'Église de Dieu au Cameroun et ailleurs. Un problème qui devient récurrentiel dans la maison de Dieu. Et en tant que vase dans la maison de Dieu, j'ai la responsabilité de revenir dessus. Donc, je veux parler de la mort du docteur Tchale Somba. Je veux revenir sur ça parce que j'ai évoqué. Et je veux revenir sur le docteur Jean-Edouard Camden. Voilà. Donc je vais parler du docteur John Doe Camden, je vais parler de Tchale Somba et je vais parler de d'autres, certainement évoquer certaines autres personnes, certaines personnes, des hommes de Dieu dans tous les cas dans l'église de Dieu au Cameroun. Donc je vais parler de ces choses-là et on va revenir là-dessus à la lumière des Écritures parce que l'église est allée très loin. Bienvenue à la lumière des Écritures. Cette semaine est l'une des plus grandes semaines dans notre ministère. Nous avons le culte des plaintes à l'Éternel, ce dimanche 25, ça sera terrible. Ce dimanche 25, c'est redoutable. Donc, ne manque pas au culte des plaintes. Viens avec tes enfants, avec les nourrissons à la mamelle, présentons-nous à Dieu. À Douala, ce sera ce dimanche à partir de 16h. Viens-toi pour avoir aussi une place de qualité. Il y aura service d'eau ouin, il y aura les formats ouin à ta disposition, il y aura les stylos ouin qui vont sortir. Et il y aura l'huile de faveur qui sera à ta disposition. Donc, ce sera un culte complet avec toutes les armes spirituelles dont tu auras besoin. À Yaoundé, ce sera à 7h30. On va commencer à partir de 7h30 ce dimanche. Je ne manque pas. Donc, voyage pour ce culte de plainte. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Tu sens que la vitesse que ta vie est en train de rouler avec, ce n'est pas la vitesse que Dieu a pour toi. Tu sens que tu n'es pas au niveau où tu devrais être. Tu n'es pas l'homme. C'est-à-dire que tu le sens dans ton esprit que tu n'es pas en train de réaliser les choses pour lesquelles tu es né. Ne manque pas, c'est pour ça qu'il y a le culte de plainte. Viens présenter tes plaintes à l'Éternel ton Dieu et l'Éternel ne te décevra pas. Dieu ne nous a jamais déçus. Quand nous nous rassemblons pour présenter nos plaintes à Dieu, il ne nous déçoit jamais. Donc que le Seigneur te bénisse. Voyagez de partout. Nous attendons toutes nos églises. Le pasteur de Réma qui ne viendra pas avec la délégation de son église aura des problèmes. Il y aura des sérieux problèmes. Il faut inculquer dans les brebis, c'est ça la vision que Dieu m'a donnée. Les cultes de plaintes, toutes nos églises doivent être réunies. C'est-à-dire que vous savez que tous les trois mois, on a culte de plaintes. Ça veut dire qu'on a culte de plaintes, c'est le mois de juillet. Août, septembre, octobre, on aura notre culte de plaintes. Et puis décembre, on aura le dernier culte de plaintes. Vous voyez, donc c'est comme ça. Chaque trois mois, il y a culte de plaintes. Donc le pasteur de chaque église doit commencer à parler sur le culte de plaintes, ouvrir une liste où les brebis vont commencer à cotiser. Et on va prendre le bus, prenez votre bus pour venir. Donc on attend Garoua, on attend Gandere, on attend Bertois, et on attend tous nos frères Tui, partout. Toutes les églises Réma, nous les attendons, nous vous attendons. Donc soyez très très nombreux à voyager pour ce grand culte des plaintes. C'est un événement. Viens avec ta famille, c'est la fête à l'Éternel et viens te plaindre devant le Seigneur. Dieu exaucera tes sujets de prière sur place. Je te rassure, Dieu t'exaucera sur place. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons entrer dans le vif du sujet ce matin. Donc, chaque famille se prépare avec son offrande familiale. Et pour nous qui sommes là pour la conférence des travailleurs, ce soir, nous allons nous présenter avec l'offrande collection
Le travail, c'est la malédiction du travail, la malédiction de la pauvreté, du chômage, etc. dans nos familles. Voilà. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce matin, nous allons parler rapidement. Le téléphone, c'était en charge. C'est complètement éteint. Ok. Ah, c'est bon. Gloire à Jésus. Donc, nous allons méditer dans 2 Samuel, chapitre 1. Alors, je veux parler du docteur Dieu Ndokamden. Je veux parler de la mort du docteur Tchala Isomba. Je veux parler de beaucoup d'autres hommes de Dieu, certainement, que nous allons évoquer dans le cadre de cette émission. À la lumière des Saintes Écritures, on va parler d'eux. À la lumière des Saintes Écritures, s'il te plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre page, je vous en prie, abonnez-vous. C'est important pour avoir les notifications. Et en plus, si vous n'êtes pas encore partagé la vidéo, partagez-la dans vos groupes. Partagez, distillez le parfum de Christ. Soyez un instrument de bénédiction pour votre génération. Laissez Dieu vous utiliser à travers les réseaux sociaux. Ceux qui ont des grands groupes, partagez. Dans vos groupes, vous serez en train de lutter pour la cause du royaume de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Père, je prie que tu bénisses chacun d'entre nous, que ta main soit sur nous, que l'Esprit de Christ nous donne l'intelligence pour comprendre les Écritures au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais revenir rapidement sur... commençons par la mort du docteur Tchala Isomba, qui a fait un sujet de joie parmi beaucoup d'hommes de Dieu qui en ont parlé. On a vu la mort de Tibi Joshua, par exemple, il y a des hommes de Dieu qui ont exulté dans leurs églises sur Facebook, qui ont prêché que c'est Dieu qui l'a tué et qui a délivré son église. Revenons sur la mort du docteur Tchala Isomba, qui aujourd'hui a fait le sujet de beaucoup de railleries, de moqueries envers sa femme, envers sa famille. Je ne l'ai jamais croisé. De toute sa vie, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais connu sa femme. Je ne l'ai jamais rencontré, on ne s'est jamais dit bonjour. On ne s'est jamais croisé. Donc, ce n'est pas l'apologie d'une famille que je fais. Mais je fais l'apologie d'un homme de Dieu. Je fais l'apologie de l'église de Jésus-Christ. Dans Timothée, je pense à 1 Timothée 2, verset 15 ou 3, 15. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il dit, « Afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu. » Donc, je parle des affaires qui concernent la maison de Dieu. Pas le ministère de quelqu'un, non, la maison de Dieu. Pas le nom de quelqu'un, mais les serviteurs de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Oh, décomène un prophète, eis onoma prophéto, miston prophéto lemsetai. » Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète. Donc, je veux parler de l'homme de Dieu, Tchala Isomba. Je veux parler de l'homme de Dieu, Dieu ne Kamdem. Je ne parle pas de M. Dieu ne Kamdem ou bien de M. Tchala Isomba. Je parle des serviteurs de Dieu. Je parle d'eux en tant que serviteurs de Dieu. Vous savez, un jour j'ai reçu une dame qui était venue me voir. Ça c'était, je pense que, la seule fois où j'ai reçu quelqu'un qui soit proche du docteur Tchala Isomba. Et cette femme est venue me rencontrer. Et lorsque la femme est arrivée chez moi, ça fait longtemps, hein, c'était peut-être en 2014 ou 2015. La dame est arrivée, je recevais. Et elle m'a dit, je suis la bonne du docteur Tchala Isomba. Donc, j'ai travaillé avec lui. Elle m'a dit, c'est depuis 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ça faisait de longues années. Elle dit, j'ai travaillé avec cet homme. Et elle parlait avec amertume du docteur Tchala Isomba. J'ai travaillé pour cet homme pendant des années. Et à l'époque, je ne savais pas qu'il avait une épouse avec qui il s'était séparé. Donc, c'est cette femme qui m'apporte l'information. Elle était attachée à cette épouse avec qui il s'était séparé. Et elle m'a dit, et j'en parle aujourd'hui parce qu'il n'est pas là, hein, donc je n'ai pas voulu en parler pendant sa vie, parce que ce n'était pas important. Mais aujourd'hui, dans le cadre de l'enseignement que je vais apporter, c'est important. Donc elle m'a dit qu'elle était loyale à cette femme du docteur Tchala Isomba qui était partie, que je ne connais pas. Et elle m'a dit qu'elle a travaillé pour le docteur Tchala Isomba, qu'elle était attachée à son ex-épouse, et que c'est les deux qui ont fait de lui ce qu'il est. Donc, le docteur Tchala Isomba les a mis à la porte. Et elle, particulièrement,
Elle lui en veut parce que, après toutes ces années, il la met à la porte, il ne lui donne pas de l'argent. Et donc, je dois prier pour tuer le docteur Tchala Issomba. Il faut qu'il meure. Et c'est ce qu'elle me disait. Il doit mourir. Il ne mérite pas de vivre. Hein? Il nous a abandonnés. Nous sommes à la rue. Il y a beaucoup d'autres choses qu'elle m'a dit. Elle avait des réformes dans les quartiers où elle habitait avec l'ex-épouse du docteur Tchala Issomba. J'ai oublié les choses comme ça. C'est parfois compliqué de retenir. Donc, dans tous les cas, ce que je retiens, c'est que cette femme était amère. Elle voulait que le docteur Tchala Issomba meure. Qu'il meure d'une mort brutale. Qu'il meure maintenant. Qu'il meure aujourd'hui. Elle m'a demandé de prier pour qu'il meure. Qu'elle a appris. Elle a entendu. Elle m'a suivi. Elle a vu que quand je parle, Dieu m'exauce. Elle veut que je m'associe à elle pour qu'on tue le docteur Tchala Issomba. Donc quand cette femme a fini, c'est une maman, hein. C'est une maman. Quand elle a fini, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes née de nouveau, maman? Elle a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Elle m'a dit oui. Est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus? Elle a dit oui. Et je lui ai demandé, est-ce que vous aimez Dieu? Elle a dit oui. Est-ce que vous le connaissez? Elle a dit oui. J'ai dit, avant de venir me voir, est-ce que vous êtes bien renseigné sur quel genre d'homme de Dieu je suis? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, Jésus n'a-t-il pas dit que nous devions pardonner même à nos ennemis? Ça, c'est un homme de Dieu, c'est d'un homme de Dieu que tu parles. Et sur le sorcier, tu feras quoi? Comment peux-tu me demander de tuer, de m'associer à toi, compris qu'un homme de Dieu meurt, maman? Comment? Ça dit, ça te vient d'où cette inspiration-là? Je suis comme dans un rêve. Il faut m'expliquer. Comment peux-tu venir demander que nous prions qu'un homme de Dieu meure? Même s'il t'a fait quoi? Comment peux-tu souhaiter la mort de quelqu'un? Elle est restée tranquille. Je lui ai dit, c'est la méchanceté. Vous êtes méchante. Vous n'avez pas connu Dieu. Parce que si vous aviez connu Dieu, vous saurez que la Bible dit que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il se repente et se détourne de ses mauvaises voies. Si il est vrai qu'il a été mauvais envers toi. Parce que la manière dont tu parles me prouve que tu es une femme à problème, tu es un sac à problème. Rien ne me prouve que tu as raison dans la cause que tu es en train de plaider. Parce que si tu peux demander la mort des serviteurs de Dieu sans avoir froid aux yeux, sans avoir de regrets ni de remords, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Je m'appuie seulement sur ça pour déduire le genre de personne que tu es. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, même si on a tué son père ou sa mère ou son enfant, il ne demandera pas qu'on tue aussi la personne qui a fait ça, il pardonnerait. Le cœur de Christ pardonne. Et le tien tue. Et je lui dis ça, sors de mon bureau. Sortez de mon bureau, madame. Elle est sortie, toute honteuse. Aujourd'hui, le docteur Tchala Issomba n'est pas là. On ne peut pas comprendre que quelqu'un... Écoutez, nous avons une fin. Quand Dieu appelle un homme, il y a un début, il y a une fin. Le docteur Jenodok Kamdem, quand vous prenez par exemple son cas, depuis le jour où il est sorti du Cameroun, il est parti, il a commencé à avoir des problèmes. Il y a des hommes de Dieu qui se sont réjouis de cela. Mais il faut comprendre que ces deux hommes, le docteur Kamdem Jenodor et le docteur Tchala Issomba, mes amis, ils ont abattu un travail dans cette nation qu'il faut reconnaître. Même si vous ne les aimez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec leur méthode, dans tous les cas, quand Dieu appelle un homme ou une femme, il s'en fout que tu sois d'accord avec ses méthodes ou pas. Il s'en fout que tu sois d'accord avec son caractère ou pas. Chaque homme de Dieu a son caractère. Et je sais que le docteur Tchala Issomba ou le docteur Kamdem, Dieu ne doit les deux, je ne les ai pas vraiment côtoyés. Docteur Kamdem, on a parlé, parfois on s'écrit. Mais je ne veux pas dire que je l'ai connu. Je n'ai jamais passé 20 minutes avec lui. C'est vrai que lui, au moins, on s'est parlé, on a causé. Mais le docteur Tchala Issomba, lui, je ne l'ai jamais connu. Mais je connais quand même un peu leur caractère. Les deux sont des personnes qui ont un caractère, c'est-à-dire colérique. Le docteur Tchala Issomba ou le docteur Kamdem Jenodor. Ils ont le caractère. Le docteur Tchala Issomba, je me souviens, un jour, il y a une émission, il parlait à la radio. Il a dit, je ne sais pas, il a dit, en fait, il a dit quelque chose comme, vraiment, non, il a dit, je suis revenu. Et maintenant, là, je ne suis pas l'ancien docteur Tchala Issomba. Tu m'attaques, là, je mets mon costume de côté. Je mets le titre de docteur de côté, je te boxe d'abord bien. C'est son caractère. Ça ne fait pas qu'il ne soit plus un vrai homme de Dieu. Il faut faire attention. Il y a le général Makos en Côte d'Ivoire que j'ai eu à suivre parfois et que mon épouse aimait beaucoup suivre. Elle le suivait. C'est elle qui me passait le AN sur toutes les émissions qu'il faisait. Je ne suis pas un homme de Dieu. Je n'étais pas un homme de Dieu. Le genre qui dit à sa femme que tu ne dois pas suivre d'autres hommes de Dieu. Mon épouse suivait plus d'autres hommes de Dieu que moi-même. C'est elle qui m'informait sur l'actualité de l'église.
Elle me disait, j'aime beaucoup suivre le docteur, le général Makosso. J'aime le suivre. Donc, parfois, elle éclate de rire dans la chambre seule. Elle l'investissait des heures pour le suivre. Elle me disait, elle aime le monsieur là. Le monsieur, il est tué, dit ta maman, ton papa. Vous voyez, là, il y a un problème. Immédiatement, il y a des gens qui vont dire, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit ta maman, parfois son langage est déshabillé. Quand on a lu ces trois hommes de Dieu, dans leur façon de faire, tu pourrais ne pas être d'accord. Mais ça n'empêche pas le fait que Dieu les a appelés. Donc nous avons besoin de la maturité. Il faut que nous comprenions cela. Dieu n'appelle pas les gens qui te plaisent. Non. Mais des gens qui vont accomplir l'œuvre à laquelle il les a appelés. Chaque homme de Dieu a son tempérament. Chacun a son caractère. Donc il faut comprendre que c'est des hommes de Dieu. C'est d'abord des hommes. Et que Dieu a appelé. Ils ont leur caractère propre à eux. Et nous avons dit que les tempéraments sont innés. Chaque homme de Dieu doit travailler pour améliorer son tempérament. Chacun doit travailler pour devenir une personne meilleure dans son tempérament. Mais vous ne pouvez pas exiger à Dieu de susciter des hommes qui plaisent à votre tempérament parce que tout dans votre tempérament ne plaît pas aussi à Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu te déplaît qu'il est faux. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu ne fait pas comme tu veux qu'il est faux. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu n'utilise pas tes méthodes qu'il est faux. Il faut faire attention. Dieu est très grand. Dans ce que tu trouves de mauvais là, Dieu lui il a son compte. Il y a quelque chose de bien dedans. Il y a un miel à l'intérieur qui nourrit les gens. Et il y a une catégorie de personnes à qui ce genre de personnes s'adresse et que ce n'est que ce genre de personnes qui peuvent suivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des églises où on met le foulard. Il y a des femmes qui sont bien avec, qui sont convaincues. Et il y a même les témoignages là-bas. Mais il y a aussi d'autres femmes qui ne sont pas faites pour persévérer dans une église où on met le foulard. C'est pour ça qu'il faut aussi des hommes de Dieu qui ont leurs églises, qui prêchent l'évangile et qui disent que sans foulard, tu seras sauvé. Parce que la réalité, c'est que le salut n'est pas sur le foulard. La Bible ne dit nulle part que la femme qui n'attachera pas le foulard ira en enfer ou bien que la femme qui attachera le foulard sera sauvée. Le salut n'est pas sur la tête, mes amis. Le salut, c'est sur l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel et la vie de sanctification, de sainteté, de consécration à Dieu. Le foulard n'a rien à voir avec le salut chrétien. Donc, comment est-ce que les gens sont arrivés au point de se moquer de la mort du docteur Tchalé Somba? Comment, c'est-à-dire l'Église est arrivée à ce point de méchanceté? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Cette espèce d'homme de Dieu, de chrétien, qui se moque de plus en plus du malheur des hommes de Dieu, qui célèbre la mort des hommes de Dieu, ses enfants, l'Église les a accouchés quand? Ces extraterrestres nous sont nés à quel moment exactement dans l'histoire de l'Église de ce pays? C'est pour ça que la malédiction nous frappe du soleil levant au soleil couchant. C'est pour ça que l'Église est devenue un sujet de honte et de raillerie dans notre nation. Parce que la haine vient du milieu de l'Église. Nous ne sommes plus persécutés dehors. Dieu nous a donné la paix dehors. Dieu nous a donné un président qui plaide, c'est-à-dire qui se bat pour la paix dans l'Église, qui a compris que l'Église fait partie de ces choses-là qui affermissent une nation, qui apporte la paix, qui transforme les gens pour le bien et non pour le mal. Au lieu de profiter de ce don que Dieu nous a donné, de ce cadre paisible que Dieu nous a donné, nous sommes devenus nous-mêmes persécuteurs du peuple de Dieu. Des hommes de Dieu qui se réjouissent de la mort des autres, qui passent leur vie à prêcher sur d'autres personnes. Mon ami, tu n'as pas d'inspiration. Dieu ne t'a jamais appelé à ça. Il n'y a personne que Dieu ait appelé pour dénigrer d'autres hommes de Dieu. Ne crains-tu pas qu'en combattant cet homme, ce soit Dieu que tu sois en train de combattre? Comment est-il venu aujourd'hui que dans l'église du Cameroun, les gens se réjouissent de la mort des hommes de Dieu? On se réjouit de la mort de Dr. Tchalé Somba. Tu n'étais pas d'accord avec lui, c'est ton serviteur. Tu sais combien ça a coûté à Dieu de le sauver? Chacun est appelé dans son couloir. Maintenant qu'il est parti, personne ne le remplacera. Depuis que le docteur Dieu Kamdem est sorti du Cameroun, qui fait donc ce qu'il faisait? Ça doit vous montrer que chacun est appelé dans un couloir précis. Et perdre un héros dans un couloir, c'est un poste vacant. Nous perdons, c'est nous les perdants. Le rôle qu'il jouait ici, depuis qu'il est parti, quel pasteur donc du Cameroun est allé à la reine? Fait ce qu'il faisait à la reine. Qui? Personne. C'est ça la réalité. Qui donc a eu une émission faite sur lui à Canal Plus? C'est vrai que je n'étais pas d'accord avec son émission à Canal Plus, c'est ça la vérité. Dès que j'ai vu le jour, il a annoncé, le docteur Dieu Kamdem, il a annoncé que il passera Canal Plus, qu'on doit suivre. J'étais avec ma femme. J'ai dit à mon épouse que ça, c'est un piège.
Je lui ai dit, si j'étais son conseiller, je lui aurais dit de ne pas accepter. Parce que c'est là que ces problèmes ont commencé. C'est à la reine que ces problèmes ont commencé avec l'histoire de doctorat, etc. Et puis, Canal Plus est venu et bam! Et puis, les histoires de. C'était j'ai quoi là? Moi, on était venu me voir pour ces choses-là. J'avais dit non. Donc, il faut comprendre une chose. Mes amis, le docteur Tchalaï Somba aujourd'hui, c'est quelqu'un que Dieu a pris dans la sorcellerie. Laissez-moi vous donner même une histoire que j'ai jamais racontée. Le docteur Tchalaï Somba, je le découvre dans les années 95, je crois. Entre 94 et 95. J'étais un tout jeune nouveau converti. Il était venu en Gaoundé pour faire une campagne d'évangélisation. Et j'ai appris, il avait un livre. J'avais lu son livre. J'avais lu son livre. Et donc, je voulais aller à cette campagne. Donc, à moins un, c'est chez lui-même que ma foi allait être affermie. Lorsque j'ai fait mon annonce sur lui, regardez le nombre de témoignages que les gens ont donné. C'est par lui que j'ai connu le Seigneur Jésus. C'est par lui, aujourd'hui, que je suis né de nouveau. C'est lui qui m'a prêché Christ. C'est grâce à lui que j'ai un ministère. Des hommes de Dieu qui ont témoigné sur ma page. C'est par lui que j'ai connu Jésus. Vous ferez donc quoi de ces brebis-là qui ont été sauvées? De ces milliers d'âmes qui ont été sauvées? Il faut faire attention. Dieu l'a pris au milieu de la sorcellerie, l'a sauvé, l'a transformé pour délivrer son église, la puissance de la sorcellerie, tous ceux qui sont captifs de la sorcellerie. Il maîtrisait mieux que quiconque les rouages de la sorcellerie. Et donc, c'était un instrument puissant dans l'église. Combien de sorciers sont morts à cause de cet homme? Toi, tu ne peux pas délivrer, c'est-à-dire que quelqu'un qui est attaqué par un bébé sorcier. Tu ne peux pas le faire. Mais tu ouvres ta bouche pour insulter un général de Dieu. Tu n'as jamais rempli le palais des sports. Ton église même n'a jamais atteint 20 personnes. Tu ouvres la bouche pour insulter des généraux de Dieu. Pour te moquer des hommes qui ont pulvérisé des records. Qui sont devenus un héritage pour le Cameroun. Des hommes, le président, c'était Mathieu Sekirikou, je pense, et si je ne me trompe pas, était un enfant spirituel du docteur Tchalaï Somba. Toi et moi, quel président de la République est notre enfant spirituel? Qui? Un homme qui a été reçu par le président, qui prêchait l'évangile au président, qui a converti des présidents. Toi, tu as déjà converti quel sous-préfet? Quel sous-préfet as-tu déjà converti? Zéro. Mais tu ouvres la bouche pour insulter quelqu'un qui a fait des choses que tu ne feras jamais jusqu'à ta mort, que ton père n'a jamais eu à faire, ta mère n'a jamais fait, que personne peut-être même dans toute la lignée de ta famille n'accomplira. Et la Bible dit, ils injurient des gloires. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans la Bible. 2 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu de Tiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et sa tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu ? » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé ? Dis-moi donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici, Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici, les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc. Et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Écoutez bien ce que le jeune homme dit, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Et voici, ces hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu ? » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint ?
de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort. Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda dans les écoles des enfants de Juda, de tout Israël. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Oh, que Dieu bénisse David. David ne pouvait jamais tomber entre les mains de ses ennemis. L'élite d'Israël a succombé. Voici le cantique. Écoute bien. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Quand il parle des héros, mes amis, il parle de Saül qui a voulu le tuer plusieurs fois, qui était son père, qui a voulu le tuer plusieurs fois. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. Ne publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Ne publiez point la nouvelle dans Facebook, dans Instagram. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. De peur que nos ennemis ne se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Chers bien-aimés, cet homme David, c'est pour ça que Dieu l'a béni pour toujours. Et c'est pour ça que son nom sera toujours béni parmi les noms des serviteurs de l'Éternel. Saül était son père. Il a grandi au pied de Saül. Il a été formé au pied de Saül. Saül a cherché à le tuer. Pas qu'on lui racontait que Saül voulait le tuer. Saül était son père spirituel. Et Saül a voulu le tuer, l'assassiner. Un jour avec la lance, il s'était passé à face. Saül a pris la lance. Là, bam, David a esquivé. Saül le poursuivait partout avec son armée. Saül haïssait David jusqu'à la tunique souillée. Mais David respectait cet homme parce qu'il était assis sur le trône d'Israël. Il l'appelait loin de l'Éternel. Il ne l'a jamais appelé par son nom. Qui devrait se réjouir de la mort de Saül plus que David? Entre nous, Saül, David toute sa vie fuyait et devenait fugitif à cause de Saül. Toi le docteur Tchalès Somba, t'as fait quoi? Il a cherché à te tuer quand? Il a lancé la lance et tu as esquivé ça quand? Mais lorsque ce Saül qui a cherché à tuer David meurt, le jeune Amalécite va prendre la couronne royale et le bracelet royal, le sceau royal, pour les amener à David, se disant que David va se réjouir. Et je suis sûr que tout le monde savait que David allait organiser un grand festin, une grande fête. Que Dieu m'a délivré de celui qui a cherché ma mort depuis longtemps. Vraiment, Dieu m'a rendu justice. Le Seigneur m'a défendu et aujourd'hui, le trône d'Israël me revient. Au lieu de ça, l'attitude de David a choqué les gens. David a pleuré la mort de son ennemi. Il a pleuré la mort de celui qui a voulu le tuer. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait oint. L'huile de la royauté d'Israël était sur la tête de Saül. Et jamais David ne s'est attaché au mauvais caractère de Saül pour dire que c'est un faux homme de Dieu. Il l'a appelé loin de l'Éternel jusqu'aux derniers instants de sa vie. Il l'a appelé loin de l'Éternel. Il a donné un deuil national en faveur de Saül, qui a cherché à le tuer, que tout le monde a vu, qui le poursuivait, tout le monde avait les preuves que Saül était une mauvaise personne. Mais David ne jugeait pas Saül sur le caractère humain de Saül, mais sur l'huile de Dieu qui était sur la tête de Saül. Camerounais, église de Dieu au Cameroun, quand apprendras-tu à juger les serviteurs que Dieu t'envoie, ces serviteurs, par l'huile de Dieu dans leur tête et non par leur tempérament? David n'a pas perdu son temps sur le tempérament de Saül. Saül ne méritait pas, après tout le mal qu'il a fait à David, d'avoir des obsèques nationaux. Hein, c'est national, fais comme tu veux. Sincèrement. Mais David dit au jeune homme, qui t'a appris, qui t'a permis de porter la main contre loin de l'Éternel? Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit. Où sont nos David dans l'église aujourd'hui qui peuvent défendre les soins de l'Éternel? La Bible dit que quel est ton problème entre l'homme de Dieu et son serviteur et son Dieu? S'il tombe, où est ton problème? S'il reste debout, où est ton problème? D'ailleurs, il ne tombera pas parce que son Seigneur le soutiendra. Aujourd'hui, David va écrire un cantique qu'il va exiger. Il va insérer ça dans le programme scolaire en Israël, en Juda.
Il dit, n'annoncez pas cette nouvelle en public. Ne parlez pas fort. De peur que nos ennemis n'apprennent ça et ne se réjouissent. Il dit, des héros sont tombés. Il appelle Saül un héros à cause de l'huile de Dieu dans la vie de Saül, l'huile sur la tête de Saül. Au Cameroun, nous tuons nos prophètes. Si c'était toi, si c'était les hommes de Dieu du Cameroun, si, que nous connaissons, ils auraient fêté ça dans leurs églises. Célébrer, ouais, prends la couronne là, ça allait passer sur Facebook, on filme, ça passe partout. Aujourd'hui, nous célébrons la mort de nos propres héros, des héros de l'église, dont nous disons que nous faisons partie sur Facebook. Devant nous vilipendons les hommes de Dieu, devant les païens. Et les gens se moquent de nous parce que nous sommes devenus un sujet de raillerie. Nous oublions que le monde nous observe. Les gens voient combien nous sommes ridicules. Mais le gouvernement se rend compte de combien nous sommes divisés, combien nous sommes ridicules. Nous insultons les gloires. David a dit, je ne peux pas me réjouir de la mort de loin de l'Éternel, même s'il a cherché à me tuer personnellement. Je ne peux pas me réjouir parce que c'était un homme de Dieu. L'huile de Dieu était dans sa vie. Quand le docteur Jendo Kamdem a eu les problèmes, il est quitté, il est parti. Les hommes de Dieu souhaitaient qu'on l'arrête. Jusqu'à présent, il y a des hommes de Dieu qui souhaitent qu'on l'arrête. Faites donc ce qu'il faisait. On ne te connaît même pas. On ne sait même pas ton nom. Tu es dans l'ombre là-bas. L'église te dépasse. Le ministère te dépasse. Dieu te donne 10 brebis, ça te dépasse. Tu n'arrives pas à multiplier, à fructifier. Mais tu t'assois pour insulter des gloires. Des personnes que Dieu a utilisées. Tu t'appuies sur leurs erreurs. Toi, tu n'as pas d'erreur. Tu t'appuies sur leurs infirmités. Toi, tu n'as pas d'infirmité. Eux, on va pour eux. Parce qu'ils sont devenus des héros. Nous ne connaissons pas pour toi parce que tu es médiocre. Parce que tu es dans l'obscurité. C'est normal qu'on connaisse les défauts du docteur Tchalei Somba. C'est normal qu'on connaisse les défauts du prophète Jendo Kamdem. Parce que Dieu les a élevés. Nous les voyons, les gens les regardent en haut là-bas. Mais toi, on ne connaît pas tes défauts. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres, tu es caché. Tu n'as pas été révélé, tu n'as pas été manifesté. Qu'un homme de Dieu est manifesté, c'est normal qu'on connaisse ses défauts et ses atouts. C'est normal parce qu'il est visible. Toi, tu seras visible quand? Mes amis, être jaloux du succès d'autrui, c'est bloquer ton propre succès. La Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les affaires d'autrui, qui vous confiera vos propres affaires? Si tu ne célèbres pas la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, qui célébrera la grâce de Dieu dans ta vie? Quand est-ce que ça arrivera? Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. La plupart des hommes de Dieu qui font ces choses, ce n'est pas jalousie. Ce n'est pas parce que vraiment ils veulent défendre l'intérêt du royaume de Christ. On te demande, le docteur Jendo Kamdem, tu as déjà pris une chèvre et tu as déjà pris quoi? Tu ne répondras pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait personnellement? Tu ne répondras pas. Ok, d'accord, qu'il parte du Cameroun, il n'y a pas de problème. Viens donc faire ce qu'il faisait. Tu ne peux pas le faire. Dieu t'a appelé, non? Pourquoi ça te dépasse? Je croyais que tu te réjouissais de son départ pour faire mieux que lui. Qui donc fait ce qu'il faisait? Qui? Regardez tout le Cameroun, toute l'église du Cameroun. Qui fait? Nous tous, nous le savons, personne. Le docteur Tchalei Somba est parti. Le premier homme de Dieu dans cette nation à remplir le palais des sports, c'est le docteur Tchalei Somba. C'est le premier. Le premier à lancer une cotisation nationale où il amène les Camerounais à soutenir le gouvernement, c'est le docteur Tchalei Somba. Le premier à nous montrer au Cameroun qu'un homme de Dieu doit comprendre que la responsabilité qu'il a devant Dieu est aussi citoyenne. Il faut soutenir le gouvernement dans le travail qu'il fait chez le docteur Tchalei Somba. C'est ça la vérité. Nous, on a rempli le palais des sports dedans et dehors. C'était la grâce que ce père de l'église au Cameroun, c'est une voie qu'il a ouverte. Il a ouvert la voie et nous avons suivi cette voie. Vous ne pouvez pas mépriser ça, mes amis. Tu ne peux pas injurier des gloires. Tu n'accéderas jamais à la gloire. Ce caractère est du diable. J'ai dit ce caractère du diable. Et ceux qui font ça sont inspirés par le diable. Jésus-Christ a dit, si Satan combat donc Satan, il est divisé. Et donc sa maison ne subsistera pas. Comment l'église peut-elle subsister avec des hommes et des femmes autant belliqueux, autant jaloux, les cœurs si noirs de haine? Pour peu qu'un homme de Dieu se démarque, il faut l'abattre. Pour peu qu'un homme de Dieu monte, il monte, il monte. Parce que toi, ça ne monte pas, ça ne donne pas. Frère, sont-ils responsables de ton échec? Sont-ils responsables? Pourquoi tu veux porter, c'est-à-dire la responsabilité de ton échec sur d'autres personnes? Au lieu de te voir toi-même comme responsable de ton échec, pourquoi les autres doivent-ils payer le prix de ton échec à toi? Frère, pourquoi? Comment sommes-nous tombés autant bas? Voilà le docteur Tchalei Somba qui est parti. Que quelqu'un le remplace donc? La place là sera vacante, ça c'est vrai.
Puisque tous ces ennemis-là, toutes les personnes disent c'est un faux homme de Dieu. C'est un faux homme de Dieu. Tu te bases sur quoi pour dire que c'est un faux homme de Dieu? Toi-même, tu es vrai. Je doute que tu sois vrai. En quoi es-tu vrai? La Bible ne dit-elle pas ne jugez point, vous ne serez point jugé? Ne dit pas écrit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain? Les choses que tu racontes sur lui, c'est un sorcier. Ça veut dire que toi-même, tu es sorcier. Ça veut dire que vous êtes retrouvé là-bas dedans. Comment peux-tu savoir que quelqu'un est sorcier si tu n'as pas été là-bas? Ça veut dire que tu as assisté à l'une des cérémonies. Mais si tu n'y as pas été, sur quoi te bases-tu? Les gens ne craignent plus Dieu. Où est la crainte de Dieu dans l'église au Cameroun? Où est la crainte de Dieu? La Bible dit tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ne sais-tu pas que tu iras en enfer dans la géhenne juste parce que tu as dit une chose qui n'est pas vraie sur quelqu'un? Ne crains-tu pas que l'information que tu as distillée ici ne soit pas vraie? Ne te poses-tu pas la question? Et si ce que je dis là n'était pas vrai? Sincèrement, ces personnes sont des fils de Satan. Vous sortez des entrailles de Satan. Ça, ce n'est pas Jésus que je connais. Il n'y a pas de haine en Jésus. Il n'y a pas de jalousie en Jésus. Pour peu que j'ai annoncé que je vais partir, le Seigneur m'a dit, tu iras en Ouganda. Les gens ont dit, va. Go, 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 go. Les gens font ma valise à ma place. Tu sais le genre d'habit que je veux porter. Pourquoi quand je vais à Douala, tu ne fais pas la valise? Quand je pars de Togo pour revenir, tu ne fais pas la valise. Quand je pars en France pour revenir, tu ne fais pas la valise. Maintenant que tu dis que le Seigneur m'a dit, tu ne finiras pas ton ministère au Cameroun, tu dis que je dois faire la valise. Pour partir. Il y a des hommes de Dieu dans ce pays qui sont aigris. C'est-à-dire qu'ils sont aigres de haine, de jalousie. Quand ils parlent, tu sens la haine dans le cœur de la personne. Ça veut dire que tu sens que si le docteur Chalessoma, lui, gloire à Dieu, il est parti, ou bien le docteur Kamdem était devant lui, il va l'empoisonner même physiquement. Il a travaillé, ils ont travaillé, c'est des héros. Laissez-moi vous le dire, c'est des héros de l'église au Cameroun. L'église du Cameroun doit apprendre à célébrer ces héros. Maintenant, il est en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui bénéficient, qui profitent. Pour toi, c'est un homme extravagant. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand même, il nous a montré l'excellence dans le vestimentaire. Oh, personne ne peut nier ça. C'est le premier homme de Dieu qui nous montre, ça veut dire que l'excellence. Et laissez-moi vous rendre un témoignage que je n'ai jamais parlé de ça. Un jour, je me souviens que j'étais en train de prier que Dieu me bénisse financièrement. Que Dieu me bénisse, des hommes de Dieu, dans les années peut-être 2016. J'ai fait une vision. Dans la vision, le Seigneur me montre le docteur Jenodo Kamden. Et il me dit, fais comme lui, fais comme mon serviteur. Regarde, il écrit des livres et il les vend. Et c'est une source de bénédiction et de grâce. Et je t'ai donné beaucoup de connaissances que tu peux mettre sur le plan livresque à disposition du peuple. Et tu auras beaucoup de moyens comme lui. C'est l'intelligence des saints. Ça, Dieu m'a dit ça en vision. Je n'ai jamais parlé de ce témoignage. Donc, vous ne pouvez pas, dans cette nation, continuer comme ça. Allez, je verrai votre fin. On va voir votre fin. Il est mort, tu te moques. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Tu ne sais pas. Peut-être c'est les chiens qui vont te manger. Ou c'est les loups sauvages qui vont te manger vivant. Ou bien c'est une maladie qui va te torturer. Ou tu vas mourir dans un accident avec peine et douleur. Mais dans tous les cas, le mal que tu fais à un homme de Dieu, tu le payeras tôt ou tard. À moins que tu ne te repentes sincèrement et que tu ne te détournes. Mais tu payeras tôt ou tard. Dieu te fera payer. Dieu te demandera des comptes. L'église au Cameroun est devenue bête. L'église au Cameroun a perdu le bon sens. A perdu le sens de la responsabilité. Nous nous réjouissons de la perte de nos héros. David dit un héros est tombé. Des héros sont tombés. Comment pouvait-il appeler héros un homme qui a cherché à le tuer? David n'a pas regardé au caractère mauvais de Saül. Il a regardé à l'huile de Dieu. Il a regardé aux prouesses que Saül a eu à remporter, les victoires de Saül, tout le bon côté, la grâce que Saül a menée, le don de la royauté que Saül a commencé à former en David. David a regardé cela. Tu ne peux pas aussi faire comme David. Pourquoi tu insultes seulement les erreurs? Tu regardes les erreurs des hommes de Dieu. Et cet Alaïsoma n'avait que des défauts. Il n'avait pas des atouts. Et ce docteur Kamden n'a que des défauts. Et s'il n'a pas des atouts, il faut faire attention. Il a apporté la voix de l'église où plusieurs d'entre nous ne sommes jamais allés. Ou peut-être même nous n'irons jamais là-bas. Il avait un couloir dans lequel Dieu l'a mis. Il a un couloir où Dieu l'a mis. Quand est-ce que l'église du Cameroun va commencer à célébrer? Je ne vais pas prendre les appels, je suis très fâché. Je ne prendrai les appels de personne. Je ne vais pas prendre les appels. Non. L'église du Cameroun tue ses prophètes et boit leur sang. Beaucoup d'hommes de Dieu sont des vampires, des hommes de Dieu dans ce pays. Beaucoup de chrétiens sont des vampires. Quand on les voit, quand tu les vois, ils ont le sang des prophètes comme ça sur leur bouche. C'est ça la vérité. Les gens vous élèvent, vous soulèvent contre vos prophètes, contre vos hommes de Dieu dans ce pays.
Et vous allez finir de tuer vos prophètes, vous allez rester avec eux, ils vont vous manger, ils vont vous dévorer. Ils vous amènent à tuer les seules personnes que Dieu a suscitées. Frère, c'est quel pays où tout homme de Dieu qui s'élève devient mauvais, il est sorcier. Dès qu'un homme de Dieu commence à faire des prouesses, il est mauvais, il est sorcier. Montrez-moi un bon homme de Dieu au Cameroun, citez-moi un. Voilà le prophète défaut qui est à Menton là-bas. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Moi, j'étais à un enterrement. Je suis allé pour un deuil d'un homme de Dieu. On va pour le deuil. Et un homme de Dieu, celui qui avait la parole pour la prédication, dit ouvertement qu'il y a un jeune homme là, un jeune homme de Dieu là, à Mendon là-bas, Mendon derrière la gendarmerie, qui se prend la tête, il est orgueilleux, et il ne reconnaît pas les grands, et donc le jour le malheur va le frapper, comme il est renfermé sur lui-même, c'est là qu'il saura qu'il y a des aînés dans ce pays. Frère, nous sommes renfermés à cause de la déception, à cause de la haine, à cause de ces choses. Parce que quand nous sommes avec vous, vous souriez. Mais quand nous tournons le dos, nous apprenons le mal que vous dites sur nous. Nous apprenons tout le mal que vous racontez sur nous. Nous apprenons les pièges que vous préparez et préconisez pour que nous tombions. Nous apprenons la haine qui sort des paroles que vous dites sur nous. Comment voulez-vous qu'on soit ouvert lorsqu'on sait que vous ne nous aimez pas? C'est ça le problème. Parce que le problème défaut est renfermé sur lui-même, c'est à cause des blessures. Parce qu'au Cameroun, je vous ai dit une chose, Paul Biya a compris le Cameroun mieux que tous les Camerounais. Moi-même, j'apprends derrière le président, son excellence, Paul Biya. Il a compris. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, tu ne sais pas. Qu'il voyage ou tu ne sais pas. Il est rentré ou tu ne sais pas. Il a compris mieux l'adage camerounais qui dit, pour mieux vivre au Cameroun, il faut vivre caché. C'est ça le problème. Ça sert à quoi de s'associer à des hommes de Dieu qui ne t'aiment pas, qui sont jaloux? Tout homme de Dieu dans cette nation qui s'élève déjà est sorcier. Il a trempé. C'est ça le mot magique au Cameroun. Donc Dieu ne peut plus bénir quelqu'un. Dieu ne peut plus utiliser quelqu'un. Avec Dieu, on ne peut plus faire les exploits. Donc la Bible mentait lorsqu'elle dit avec Dieu, nous ferons les exploits, l'écrasera nos ennemis sous nos pieds. Donc nous sommes dans un pays où les exploits ne viennent qu'après qu'on est trempé. Trempé ou même d'abord c'est un lac ou un océan ou quoi. C'est ça le problème. Et des hommes de Dieu qui font des émissions, qu'est-ce que d'autres hommes de Dieu? Tu dis que quelqu'un est faux. Hein? Quelqu'un est faux. D'accord, il n'y a pas de problème. Toi, tu es donc vrai en quoi? Si toi, tu es vrai, il faut faire plus que celui qui est faux. Le vrai est plus glorieux que le faux. Le vrai est plus fort que le faux. Pour moi, tu n'as pas besoin de dire que non, Télésoma, c'est un faux docteur, ou bien docteur Camden, c'est un faux prophète, ou bien d'autres prophètes. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Ou le prophète des faux, c'est un faux prophète. Le prophète Lonti, c'est un faux prophète. Le prophète Lestinsame, c'est un faux prophète. Non, tu n'en as pas besoin. Toi, tu dois faire plus grand qu'eux. Et nous saurons que tu es un vrai prophète. Va remplir le palais du sport comme eux. On croira en toi. Oui, tu viendras avec nos sons et supérieurs. Tu nous diras, voici comment faire un vrai prophète. Va prophétiser dans les vies des gens. Annonce les événements avant qu'ils n'arrivent et qu'ils s'accomplissent. Alors nous dirons, et tu nous enseigneras donc, voici comment faire un vrai prophète. Donc, c'est les faux qui réussissent. Donc dans cette nation, la médiocrité c'est Dieu et l'excellence c'est Satan. Mes amis, nous devons être humbles. Arrêtons de tuer nos prophètes. L'église du Cameroun a perdu le sens de la sagesse. Ne nous associons pas aux fils du diable envoyés dans l'église, infiltrés dans l'église du Cameroun pour inciter les brebis à tuer, à dévorer leur berger. La brebis n'est pas faite pour dévorer son berger. Mais pour la protéger, pour protéger son berger. Donc soyez intelligents. Je veux dire à l'église du Cameroun, tous ceux qui ont ouvert la bouche contre les hommes de Dieu, répentez-vous. Répentez-vous avant que la sécheresse n'arrive. Et demain, je vous montrerai ce qui arrive à ceux qui s'érigent, c'est-à-dire s'érigent contre les serviteurs de l'Éternel. Nous devons être humbles. Les hommes de Dieu sont un don pour vous. Priez pour leur faiblesse. Si ton pasteur est faible, il a des faiblesses, prie pour ça comme David priait pour les faiblesses de son père Saül. Prions. Personne n'est parfait. Toi-même, tu es parfait. Tu dis, mais ça, tu as tapé ta femme, tu l'as attaché, elle est attachée dans la chambre et tu vas sur Facebook en train d'insulter les prophètes, d'insulter les oins de l'Éternel. Si Dieu s'arrête sur tes défauts, tu vas t'en sortir. Tu ne t'en sortiras pas. Mes amis, si Dieu t'envoie un homme de Dieu et que tu juges que l'homme s'il a des faiblesses, prie pour lui. C'est ça la maturité. C'est ça la responsabilité de l'église. Prions pour nos hommes de Dieu. Prions que Dieu les préserve. Dans cette nation, lorsqu'un homme de Dieu est en difficulté,
Au lieu de lui venir en aide, on vient l'achever. On vient avec le gourdin. Au lieu de le tirer, le sauver, on vient avec le gourdin. Bim, c'est nous qui l'achevons. Sincèrement, mes bien-aimés, nous perdrons tous nos héros si ça continue comme ça. Vous vous souvenez que vous considérez le fait que dans une nation, moi Dieu m'a dit, il y a cela plusieurs années, si l'église, mon église au Cameroun ne reconnaît pas ta valeur, je te prendrai, je t'amènerai dans une nation où on reconnaîtra mon don dans ta vie. Dieu m'a dit ça et j'ai dit ça à l'église en vision. Donc comment est-ce que nous sommes arrivés au point où on demande, on se réjouit que Dieu dise que ses serviteurs doivent partir. Je vais lire quand même un commentaire de patience et Cambi qui dit quelle prouesse demander 1 million pour la prière, vendre de l'eau bénie à 5 000 francs, la bouteille enrichie par l'évangile papa et Canet. Nous avons tous nos défauts, mais quand il faut détruire les familles, vendre l'évangile, je dis non. Nous lisons nos Bibles, trop charlatans. La popularité d'un homme n'est pas une garantie que Dieu est avec et avec. On ne se moque pas de la mort, non. Mais le jugement commencera dans l'église. Donc ça, c'est un commentaire important. Je pense que ce commentaire illustre bien tous les autres commentaires qui vont dans ce sens. Permettez-moi de répondre à ce commentaire, s'il vous plaît. Ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que vous avez énuméré, quelle prouesse demander 1 million pour la prière, vendre l'eau bénie à 5000 francs, la bouteille enrichie par l'évangile, papa et Canet, nous avons tous nos défauts, mais quand il faut détruire les familles, vendre l'évangile, je dis non. D'accord, je vais vous répondre. Écoutez bien ma réponse, je vais répondre comme une personne mature. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Un homme de Dieu a deux types de défauts. Il y a les défauts caractériels, ça veut dire que dans son tempérament, non, je pense que c'est du docteur Tchalesomba. Je ne fais pas son apologie, mais je vais vous montrer comment il faut juger les hommes de Dieu. Comment il faut voir les hommes de Dieu. Donc, le premier défaut qu'un homme de Dieu peut avoir, c'est sur son comportement, son caractère. C'est-à-dire, il peut avoir un caractère chaud, comme le docteur Tchalesomba. Ça ne veut pas qu'il soit un faux homme de Dieu. Chacun a un caractère. L'apôtre Paul a dit que les serviteurs doivent être soumis à leur maître, même envers ceux qui ont un caractère difficile. Donc, le caractère difficile est reconnu bibliquement, c'est un tempérament. Donc, ça ne fait pas un faux homme de Dieu. Donc, il faut savoir cela. Dieu va l'aider comme ça. Tous les jours, Dieu va l'aider. Vous ne savez pas la lutte que la personne mène en secret pour améliorer son comportement ou bien son caractère. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième défaut de caractère qu'un homme de Dieu peut avoir et que nous avons tous en tant qu'homme de Dieu, c'est ce qu'on appelle les erreurs du ministère qui ne font pas aussi d'un homme de Dieu un faux homme de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les erreurs du ministère. Donc, le fait qu'il vende, qu'il demande 1 million pour la prière. Moi, je n'ai pas la preuve de ça. Je n'ai jamais vécu ça. Peut-être vous étiez là-bas. Le fait qu'il demande 1 million, il faut savoir déjà dans quel contexte. Il faut d'abord élucider la question, le contexte et voir pour voir s'il n'y avait pas une raison justifiée devant Dieu. Parce que ce qui peut sembler pour vous une erreur peut ne pas être une erreur en réalité. Parce que c'est des mystères du ministère. Donc, il y a ce qu'on appelle les erreurs du ministère. Un homme de Dieu peut faire des erreurs dans son ministère. C'est-à-dire faire des choses dans le ministère qui ne devrait pas faire, qui n'était pas supposé faire. Mais ça ne fait pas de lui, pour autant, un faux homme de Dieu. Dieu le jugera sur ça, mais Dieu ne le rejettera pas pour autant. C'est-à-dire qu'il a commis des erreurs dans le ministère. Chaque homme de Dieu a ce qu'on appelle les erreurs du ministère. Ça ne fait pas directement un homme de Dieu un faux. Pour qu'un homme de Dieu soit faux, c'est plus grave que ça. Il faut des choses plus graves que celles-ci. Donc, qu'il vende l'eau à 5000 francs, je ne sais pas, je n'ai jamais su ça, ou bien je n'ai jamais vécu cela, ne fait pas pour lui forcément un faux homme de Dieu. Ça peut être une erreur du ministère qu'il a commise. Et là, Dieu nous jugera tous sur les erreurs du ministère. Voilà pourquoi, quand la Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu, il faut que vous compreniez ce que ça signifie aussi. Hein? Le jugement qui va commencer par la maison de Dieu, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comprenez ça. Le jugement là n'a pas de condamnation. L'église qui sera jugée, le jugement commencera par l'église. Ce n'est pas un jugement pour amener quelqu'un en enfer. Non. C'est le jugement de l'église, c'est pour dire à quelqu'un, nous dire que toi, toi tu as vendu l'eau par exemple à 5 000, c'est un exemple que je donne, hein. Tu prenais 1 million pour recevoir les gens, ce n'était pas bien. Donc, si tu n'avais pas fait ça, voici la couronne qui te sera revenue, mais parce que tu as fait ça, tu vas recevoir cette petite couronne. Le jugement de l'église ne sera pas pour aller dans la géhenne. Le jugement de l'église, c'est pour répartir les couronnes et les récompenses.
Toi, tu as la grande récompense, une grosse couronne. Toi, tu as une petite couronne, ou bien toi, tu n'auras pas de couronne. Mais cependant, nous tous, nous serons rachetés. C'est ça le jugement de l'Église. Le jugement qui amènera les gens en enfer, c'est le jugement du grand trône blanc, qu'on appelle en théologie le jugement Béma, dans Apocalypse chapitre 20, verset 11, où la Bible dit « Tout ce dont le nom ne fut point trouvé inscrit dans le livre de la vie éternelle furent jetés dans les temps ardents de feu. » Or, les croyants, leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Donc ce jugement ne regarde pas les croyants. C'est pour ceux qui sont morts sans Christ. C'est eux qui iront dans la géhenne. Mais le jugement dont la Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu, ce n'est pas un jugement de condamnation. C'est un jugement pour répartir les récompenses des croyants. Parce que celui dont le nom est déjà, celui qui a cru en Christ, n'est pas exempt des erreurs. Son nom est écrit cependant dans le livre de la vie éternelle. Quand vous regardez par exemple David, Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Laissez-moi avoir quelques minutes s'il vous plaît. Pas la question si c'est important, les gens doivent comprendre. David est l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'était un adultère. Il a commis adultère et il a pris des femmes sans doter. Il a pris les femmes des gens. Voilà pourquoi même dans le Nouveau Testament, quand vous lisez Matthieu chapitre 1, la Bible parle que David a eu Salomon de la femme d'Uri. La Bible n'a jamais reconnu. Il y a plusieurs femmes de David que la Bible n'a jamais appelées que la femme de David. Parce que les écrivains de la Bible sont justes. Ils disaient toujours qu'il les a arrachés de leur mari. On appelait de la femme de tel. Imaginez-vous ça. Mais cet homme, ce mauvais caractère n'exclut pas qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu et qu'il soit dans le royaume de Dieu. C'est un exemple que je vous donne aujourd'hui. Et dans la Bible, Élisée, le prophète Élisée, quand on regarde le prophète Moïse lui-même d'abord, qui est apparu à Jésus sur le mont de la transfiguration, combien d'innocents Moïse a tué? Combien d'humains il a tué dans la colère? Combien de personnes il a frappé la tête, cette ouverte? Il a fait entrer d'autres, le feu est descendu sur eux. Combien? Le prophète Élie qui est apparu à Jésus sur le mont de la transfiguration, combien de soldats il a tué juste parce qu'on l'a méprisé? On lui a parlé sans le respecter, le grand manteau qu'il portait, il a demandé que le feu descende, le feu les a tués. Il a assassiné des gens. C'était des erreurs du ministère. Le prophète Élisée qui a reçu la double portion du prophète Élie, son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué des enfants qui se moquaient de sa calvitie. Juste parce qu'on a dit qu'il a la calvitie, il s'est passé, il a assassiné ses enfants par le manteau qu'il avait. On appelle ça les erreurs du ministère. Ça ne fait pas de lui un faux homme de Dieu. Dieu ne nous juge pas sur cette base. Il faut faire attention. Pour qu'un homme de Dieu soit faux, il doit enseigner que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est un exemple. Oui, il vous amène en enfer. Il vous dit que le péché est bon. Vivons dans le péché, nous serons sauvés. Oui, là c'est un problème. La doctrine. Mais si quelqu'un vous dit, repentez-vous, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, séparez-vous de vos mauvaises voies, mais il faut faire attention. Donc, ne confondez pas les faiblesses, l'humanité des hommes de Dieu et les erreurs du ministère au faux. Non, ce n'est pas un faux homme de Dieu. Chacun a commis des erreurs. Dans la Bible, tous les hommes de Dieu ont leurs défauts ministériels, ont leurs erreurs du ministère. Donc, ma soeur, vraiment, comprenez Dieu. Ayez un cœur compatissant. Comprenez qu'aujourd'hui, c'est le docteur Tchalessomba. Demain, ça peut être votre enfant. Si c'était votre enfant qui était à sa place, est-ce que vous le quitteriez, l'abandonneriez ou bien auriez un jugement aussi dur avec lui parce que c'est... Il a commis ou il a fait ces choses, cela? Non. Votre enfant, vous serez attaché à lui. Donc, que l'Église soit mature. Si nous sommes matures, nous irons loin. Demain, 6 heures, je continuerai. Je reviendrai toujours sur les deux exemples et sur d'autres exemples. Et on lira sur cette fois-ci un autre texte et nous verrons ce que la Bible nous demande de faire, quel comportement avoir. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa main qui est puissante soit sur ta vie. Et je prie que Dieu pardonne l'Église du Cameroun, qu'il pardonne tous ceux qui ont tué les prophètes et bu leur sang. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous pardonne. Qu'il ait pitié de ses serviteurs, ses vrais serviteurs qui ont été induits en erreur et par les méchants pour se soulever et détruire les ministères d'autres hommes de Dieu. Seigneur, sauve-nous. Afin que le salut de notre nation vienne enfin. Étends ta main vers ton écran, téléviseur, vers ton téléphone. Je veux prier avec toi et la gloire de Dieu sera sur toi. Si tu as parlé un jour mal d'un homme de Dieu, je prie. Seigneur, nous nous repentons, nous demandons pardon pour tout péché dans la bouche. Seigneur, le mal que nous avons fait à tes serviteurs, la calomnie que nous avons répandue sans avoir des preuves, nous demandons pardon, que ton sang nous lave. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, que ta colère baisse au nom souverain de Jésus. Je prie que cette journée soit bénie devant toi. Partout où tu iras, tu seras la tête et non la queue, en haut et non en bas, tu seras la lumière du monde. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Va
Aucun de tes ennemis ne résistera devant toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas cette parole. Aucun de tes ennemis ne résistera devant toi en cette journée. Rendez-vous pour ceux qui sont à Douala tout à l'heure à partir de 17h. Soit en Dogbon pour la clôture du séminaire sur les hommes d'affaires et les travailleurs. Dieu veut libérer tes finances. Shalom, 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 shalom.